Comment rédiger? L'énoncé est écrire ce nombre en notation scientifique. Je recopie le nombre dans mon cahier, je réfléchis, je sais que la définition d'un nombre en écriture scientifique est un nombre qui a un seul chiffre devant la virgule multiplié par une puissance de 10. Ici, pas de chance, c'est 0 devant la virgule, donc ça ne convient pas. Donc pour résoudre ce problème, je vais décaler la virgule après le 8. Donc je décale la virgule de 6 rangs vers la droite. Je barre les 0 inutiles. On a bien un nombre qui a un seul chiffre devant la virgule qui n'est pas 0. Mais ce nombre 8 n'est pas égal au nombre de départ. Donc il faut compenser. Et pour compenser, on va multiplier par une puissance de 10. J'ai bien retenu que j'avais déplacé la virgule de 6 rangs vers la droite, c'est-à-dire vers les nombres positifs. Donc quand je vais multiplier par une puissance de 10, il faut que je trouve l'exposant. Pour compenser, je vais mettre un exposant négatif pour aller dans l'autre sens. Et donc évidemment, comme j'ai décalé de 6 rangs, ben, je mets moins 6. La virgule a été déplacée de 6 rangs vers la droite pour obtenir 8. Je la redéplace de 6 rangs vers la gauche pour compenser et avoir l'égalité. 6 moins 6 égale 0. Je suis revenu au point de départ. Et donc dans mon cahier, j'écris 8 fois 10 exposant moins 6. J'ai pensé 3 ou 4 étapes, mais je n'écris que la dernière et c'est fini. Quand vous aurez l'habitude, vous irez à cette vitesse. Je décale la virgule de 6 rangs vers la droite pour avoir un seul chiffre devant, qui n'est pas 0, donc 8. Donc j'écris tout de suite le 8, fois 10 exposant quelque chose, et pour compenser ce 10 exposant quelque chose, c'est je décale la virgule vers la gauche, autrement dit vers les nombres négatifs, c'est-à-dire moins 6. Et c'est fini.